Je viens d'aller à l'hôpital voir ma mère, j'ai appris qu'elle avait un cancer. J'ai vu le médecin, il m'a dit qu'il ne pourrait rien faire pour elle. J'ai peur qu'elle souffre, je ne sais pas comment ils vont traiter sa douleur, et je sais que c'est irrémédiable. C'est terrible à dire, mais à la limite, j'aimerais que ça aille vite. En tant qu'infirmière et aide-soignante, et travaillant dans une unité de soins palliatifs, on peut témoigner que vraiment aujourd'hui on a les moyens de soulager les patients en fin de vie. Il est vrai que parfois c'est difficile et on a alors recours à des équipes spécialisées comme les unités de soins palliatifs. Il faut savoir qu'aujourd'hui le traitement de la douleur est une obligation et non une possibilité. On ne devrait plus voir de patients mourir avec des douleurs insupportables. Nous, équipes soignantes, sommes convaincus qu'il y a toujours mieux à faire que d'abréger la vie de celui qui souffre.